Présent sur tout le territoire français, le sanglier est sans nul doute l'animal qui génère le plus de passion dans le monde des chasseurs. Actuellement, le sanglier se chasse le plus souvent en battu posté aux chiens courants sur tous les biotopes avec des habitudes locales très variées. Il faut bien connaître son territoire et avoir des chiens bien créancés pour réussir à débusquer cet animal sauvage qui sait se montrer discret pour sauter furtivement la ligne des chasseurs. Chacun son coin, hein, comme d'habitude. Henri, où tu vas? Ah ben moi, je fais le... Le Péléon, tout ça, ouais. Là, derrière. Bon. Alors le jour de la battue, nous sommes là au lever du jour, à la pointe du jour. Les chiens, les hommes sont frais et dispo parce que le week-end, c'est sûr, va être un bon week-end. Et c'est cet espoir, c'est ce rêve qui fait que, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps, quel que soit le moral de chacun, je crois que pour une battue au sanglier, il y a des hommes volontaires, il y a des chasseurs. Faire le pied, c'est être présent donc le matin de bonne heure, avoir un secteur, et le chef de battue désigne un secteur, mais habituellement chacun connaît son secteur, et il le connaît même très bien à force de le faire plusieurs fois dans l'année de chasse. Et le pied que vous faites, que moi je fais en tout cas dans mon secteur, c'est pas toujours la même façon que mon voisin qui va le faire derrière parce qu'il n'a pas les mêmes prés, il n'a pas les mêmes bois. Mais il n'a peut-être pas le même chien que le mien, ou il a un chien où moi j'en ai pas, et inversement. Donc nous avons chacun notre petite chasse à nous dans notre secteur. Et je dis bien chasse alors que nous faisons le pied, parce que chasser c'est aussi se promener dans la nature et regarder. Parce que regarde, tu vois, c'est encore humide là. Là c'est encore humide. Ils ont fait tout le tour. Hein. Dis, aime s'y gratter là-dessus. Ben oui, c'est le seul sapin que tu as, et au milieu de ce boulot, de ces chaînes. Papa, que non. Pas. Il y en a un qui a dû passer, mais c'est pas frais. Non, deux jours. On va aller voir là-haut, là, celui d'en haut. Il n'y a aucune trace sur la poussière. Non, c'est bon. Oui, bon, on va faire votre chemin, on va monter, on va aller vers les pays cases. Allez, hein. Mais il faut le surveiller, cet arbre. Hein. Allez, viens, celui-là, on va aller là-haut, viens. On va avoir une bonne journée pour lui. Oh, mais il y a des bouts de vie partout, là. Viens voir, vite, viens. C'est bon? Comment tu le trouves? Attends, regarde Jean-Philippe, amène la chienne là, le pied est frais là. Hein. Alors, c'est bon, non, hein. En plus c'est bon là. Hein. C'est pas un petit. Ouais, ils sont par là. Hein. Et tu vas de l'autre côté, c'est pas de l'autre côté aussi, c'est pareil. Tu peux y aller, en dessous de la grange là. C'est ça m'étouré là-bas. Surveille que tu fais, tu descends par les sapins de Tarzan. Je vais descendre par le près de la pite là, oui. Faire ces lacs en bas. Ah oui, oui. Voir si c'est souillé en bas, oui. Ensuite je me reviendrai par le. Par gel. Par le pont de gel. Oui. Bon, moi je monterai le près de Poutotte et on se retrouvera là-haut. Oui, au niveau du pré là-haut. Et puis vers la piste. On verra de toute façon au niveau de la piste, il faut qu'on les voit. Je dirais que ça. La feuille a bougé un peu. Tiens, ils ont passé là. Ouh! Ah oui, tiens là aussi, regarde. Ouh là! Tiens, oui. C'est un sanglier de 50 kg, ça, non? Savoir lire un pied frais, s'il est frais, s'il n'est pas frais,
savoir si le sanglier est passé en début de nuit, s'il est passé en milieu de nuit ou s'il est passé en fin de nuit, ça c'est très difficile. On a besoin donc d'un chien, d'un fin limier qui sera au bout d'une laisse ou pas, parce que si on l'a bien dressé, il peut très bien rester à côté de soi. Nous avons l'habitude de faire un circuit que les sangliers font eux-mêmes, puisqu'en quelques années, on sait à peu près quel circuit font les animaux. Il y a bien sûr des changements, il y a souvent des surprises qui sont souvent dues à des événements autres que ceux de la chasse. En période, par exemple, en automne, lorsque les champignons sont présents dans les bois et que tous les touristes sont là, il est évident que les sangliers disparaissent ou alors vont se remettre dans des endroits auxquels on ne s'attendait pas. Lorsque le chasseur a terminé d'explorer son secteur, eh bien, il revient à la cabane, il vient faire son rapport au chef de battu. Je la rentre, je la descends. La descendre. Parce qu'il y avait plus jaune dans le coin. La descente ou moi tiens le. Mais je le trouve descendu là-bas. Non, plus haut. Plus loin. Plus loin, juste plus loin, avant la charretière qui remonte dans le bois. Oui, la charretière qui remonte. Oui, juste un peu avant. Juste et avant. Il va descendre à gauche. Il va descendre de nouveau par dessous. Le palombier à l'Aragon, il traverse et il rentre ici, vers les plantations, au palombier de Rouquet. Ça doit être ce qu'il trouve. Lui derrière. Oui, c'est ce qu'il trouve. Oui. Après, est-ce que ça va chez vous derrière, je ne sais rien. Bon, puisque les postes sont distribués, il n'y a plus qu'à aller prendre les chiens et les piqueurs. Vous allez lâcher en bas, hein, on descend. Allez, chacun son poste. Donc on se place à peu près aux postes qui sont connus. Et le poste, c'est un endroit qui peut être un endroit tout à fait banal, auquel on ne s'attendait pas. Et on entend la chasse, on entend les chiens, on reconnaît la voix des chiens. Et puis on espère toujours que le sanglier viendra à notre poste. Rentre là. Voilà. Qui là-bas? Thank you.
Je pensais. Il était. Là où il fallait. Oh là, il est arrivé le premier alors, voyez-vous. Oui, oui. Yes. Il doit faire 50 kilos. 45, 50. Attends, on prend le fusil d'abord. Oui, on prend le fusil. Prends-t'en, ramasse le tapetoire. Et allez. On le charge. Et on se rapproche. C'est bon. C'est de nous les piqueurs de retrouver le sanglier, bon, de le retrouver et de l'approcher le plus possible. Le couper, c'est trouver le sanglier. Il va pâturer dans un certain endroit parce qu'il reste pas trop dans les bois, il va dans des champs. Il va pâturer. Il faut le trouver là quand il repart et il faut le suivre jusqu'à l'endroit où il se gîte. Selon la qualité du chien, un chien peut trouver une voie de deux jours. Et selon la température. C'est-à-dire qu'en début d'ouverture, un chien a plus de difficultés. Mais après, vers le mois de novembre, un chien peut trouver une voie de deux jours si c'est un très bon chien, s'il est doté d'un bon nez. Quand le terrain est mauvais, il faut qu'un bon chien de quête trouve l'odeur sur la branche. Il n'y a pas tant de solutions parce qu'il y a des journées où vraiment la quête est très très mauvaise. Et il faut un chien très chaud et puis qui suive à la corde. On ne peut pas lâcher un chien comme ça ou alors il faut vraiment qu'on ait des chiens très propres. Ouais, un chien c'est quand il est vieux qu'il est bon. Et quand il a 4 ans, 5 ans, quoi. C'est alors qu'il est le meilleur. Sur une portée, il y aura sur 10 chiots, il y aura peut-être un chien très, très adapté pour faire le pied. Parce que ce qu'on recherche, c'est créancer le chien de pied sur la voie de l'animal choisi. Nous, la voie de l'animal choisi, c'est le sanglier. Et créancer des chiens, il faut quand même qu'ils aient quelques aptitudes naturelles. Quoi. Il faut être énergique pour chasser le sanglier. Il faut aussi des chiens énergiques, il faut des hommes de bonne volonté, parce que c'est assez difficile quand même. On doit beaucoup marcher. Et ça, pour suivre les chiens, il ne faut pas compter. Et moi, je le prends à contre-pied, je monte là-bas, et après, je reviens comme ça, et Roger, il fait ça. Ça, c'est pas bon. Hein. Ça, tu vas pas, on ne va pas l'amener 10 mètres, le petit l'amène, bon. Mais c'est pas bien. Quand je suis passé la première fois tout seul, moi, je ne l'amène pas. Alors. Il faut appeler Roger. Bon. Appelle-le Roger, parce qu'il a le chien, il donne. Appelle. C'est un code que l'on a de nos aînés qui chassaient comme ça il y a 40-50 ans, ils chassaient comme ça, ils avaient l'habitude de s'appeler des uns aux autres. Bon, ils savaient, à tout moment, ils savaient ce qui se passait.
On recoupe le périmètre pour voir s'il y a quelque chose. Hein. D'accord, monsieur. J'y vais, t'as rien, toi, la boutique. Le lieu d'attaque est décidé par, bon, par un groupe de gars qui ont cherché sur le terrain. Donc ces gars connaissent exactement ce qu'il y a le jour de chasse, ce qu'il y a sur le terrain. Donc on peut dire on doit attaquer à tel endroit. On attaque sur un beau pied, évidemment. On essaie d'attaquer une bête seule. Et bon, on se donne un point de rendez-vous, on discute de la chose, et puis après, bon, on descend, on va voir les gars qui nous attendent impatiemment souvent, et qui attendent que l'on donne de bonnes nouvelles. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on leur dise, bon, il y a des sangliers à tel endroit. Vous allez aller vous poster à la Maguerre avec Bertrand. Où est-ce qu'il est, Bertrand? Oh, ici, là. Bien. Après, qui veut y aller là-bas? André, tu veux aller à la Maguerre? Viens. À la Maguerre, c'est qui veut y aller, vite. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, c'est bon, la Maguerre, stop. On plaignait de Comenir avec Louis. Nous fermons bon, suffisamment loin pour que les chiens puissent quand même chasser de préférence le plus longtemps possible. Donc on se poste le plus loin possible de l'animal chassé ou à chasser. Il y a un responsable par ligne qui prendra 10 gars, bon, qui fermera telle crête, l'autre qui fermera tel bas-fond. C'est un travail de longue haleine, quoi, de monter une meute comme ça. Nous, ça fait plus de 15 ans qu'on y travaille, et des fois, les meilleurs chiens se font décimer par les sangliers. Nous, les chiens de 15 ans, on ne sait pas ce que c'est. Les chiens qui, comme on est sur la voie d'un cochon régulièrement, c'est des chiens qui arrivent à 7-8 ans. Après ils sont épuisés. Si ton marin, c'est mieux, ça va aller. Nous avons toutes les races, nous avons des bleus, nous avons des griffons, des gascons, enfin, on chasse. C'est-à-dire que nous chassons à plusieurs. Nous ne chassons pas comme dans les grandes meutes où il n'y a qu'un seul maître d'équipage. Là, disons que nous sommes 6-7 à avoir 4-5 chiens chacun. Et bon, on mélange ces chiens pour la chasse. Et oui, on différencie les gorges des chiens. Évidemment, il y a des chiens qui sont beaucoup plus gorgés les uns que les autres. Il y a, bon, par exemple, les bleus qui sont très 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 gorgés. Et les griffons qui le sont beaucoup moins, qui crient davantage. Mais on se sert beaucoup des bleus pour faire de la quête, qui sont des chiens assez lents. Et par contre, bon, les griffons sont très vaillants dans les fourrés, donc ils peuvent plus facilement déloger des sangliers, qui sont des animaux quand même, qui ne partent pas à la première. Des fois, bon, il faut y revenir 3-4 fois pour essayer de les faire démarrer. On attaque avec des rapprocheurs, on appelle ça des rapprocheurs, 5-6 chiens créancés sur la voie du sanglier. Et ensuite, bon, dès que c'est parti, dès que c'est lancé, on met 30 à 40 chiens qui, on espère, feront une bonne menée, de 2-3 heures, enfin, le maximum, quoi. La chasse idéale, c'est celle-là de lancer un sanglier d'une cinquantaine de kilos, 50-60 kilos. C'est les sangliers qui font les plus belles chasses.
Le but essentiel, enfin pour nous, hein, qui chassons au chien courant, c'est le but, c'est de lancer l'animal pour pouvoir faire une bonne menée, un bon debout. On a toujours chassé le sanglier, puis c'est un animal qui a quelques particularités. Bon, c'est une bête qui est quand même sauvage, hein, on peut dire que c'est certainement une des bêtes les plus sauvages, les plus difficiles à chasser, certainement les plus méchantes aussi. Chaque année, bon, il faut qu'on passe. On a 10 chiens à faire recoudre, enfin, ce qui ne se passe pas dans notre chasse. Quoi. C'est une chasse assez difficile et c'est peut-être pour cela qu'on l'aime. Quoi. Bon, au départ, la Riégeois, c'est un chien qui a été créé pour chasser le lièvre dans le Piémont pyrénéen, en Ariège. Bon, chez nous, en Provence, il y a une vingtaine d'années que bon, M. Huitenet avait commencé à chasser le sanglier avec des Ariégeois. Et bon, moi, j'ai continué. Bon, c'est un chien qui s'adapte à tous les terrains. Bon, c'est avant tout un chien de montagne. Mais bon, on trouve des Ariégeois qui chassent dans le Var, dans des territoires qui sont très sales. J'ai même des collègues qui en Camargue ont des Ariégeois, bon ils ne refusent pas le marais. C'est un chien qui a de la passion, son caractère briquet le fait que c'est un chien qui passe volontiers, quoi, qui passe bien. Va tourner derrière et en principe ça devrait revenir sortir dans les chaînes vertes. Ah ouais, ça monte à la juste là en face. Là. Là, on voit bien que les Ariégeois ils tiennent bien. Hein. Il y a de l'endurance et ça crie toujours pas mal. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il n'est pas calé le cochon. Par le bas, il y a toujours, mais tu vois le truc de l'Ariégeois, les chiens qui sont plus briqués, c'est-à-dire les chiens plus briqués qui ont des voix plus claires sont toujours devant, et les chiens que le gascon qui tiennent plus du gascon, ils sont à l'arrière avec des voix beaucoup plus puissantes. Ce qui fait, ça fait une belle musique tout ça. Pour moi, les qualités premières de cette race, c'est ce mélange à la fois de chiens briqués et de chiens d'ordre. Donc il y a la passion, il y a l'amour de la chasse du briquet, et en même temps, c'est cette façon du chien d'ordre, c'est-à-dire qu'on mène très très bien,
Pour moi, c'est ce qui me fait aimer les arrivois. Je pense qu'avant d'aimer le sanglier, c'est vrai qu'on aime le sanglier, mais je pense qu'avant d'aimer le sanglier, on aime la chasse au chien courant. Mais c'est vrai qu'après le sanglier, il y a un climat qu'on trouve dans aucune autre chasse. Quoi. Le problème, c'est là, c'est presque mythique pour le sanglier. Quand on dit le mot sanglier, bon, il y a toute une machine qui se met en route dans la tête des gens. Je pars le matin avec mon chien, un ou deux ou trois, ça dépend, bon, et je cherche le pied du sanglier. Quoi. Jusqu'à que bon, quand je le trouve, bon, je le suis jusqu'à qu'on l'ait remisé, parce qu'il y a pas mal de chiens à lâcher. Il y a peut-être des fois 30-40 chiens, et tous les chiens ne sont pas capables de faire le pied. Alors après, ils prennent un chevreuil, il y a beaucoup de choses. Quoi, et alors il faut se rapprocher le plus possible le sanglier pour que les chiens ne fassent pas de conneries. Quoi. C'est les chiens qui sont chauds, c'est-à-dire que dès qu'ils trouvent la piste du sanglier, ils l'annoncent. Et ils collent à la voie, c'est-à-dire que c'est les chiens, ils sont capables de mener le sanglier pied par pied. Hein? Ils trouvent un pied, et pied par pied, ils amènent le sanglier. Si le sanglier touche à une branche, s'il touche à un morceau de n'importe quoi, d'arbuste, un truc comme ça, n'importe où va trouver le sanglier, le chien, il flaire, et du moment qu'il a flairé, il annonce le sanglier. C'est un chien chaud. Dès qu'ils ont remisé les sangliers, ils font le pied, ils quittent les sangliers. Dès qu'ils les ont remisés, ils arrêtent les chiens et ils reviennent à la cabane. À ce moment-là, on décide quel sanglier on attaque. L'équipe par elle-même, c'est très dur à gérer parce que bon, on arrive à être jusqu'à 40. Hein. Bon, on poste en permanence les gens avant de partir, on les poste. Dans la meute, t'as tous les chiens. Hein. T'es obligé d'avoir le chien de pied, t'es obligé d'avoir le chien de ferme, hein. T'es obligé d'avoir le chien meneur, et t'as une sorte de chien aussi, c'est le chien qui relance en permanence, c'est-à-dire sur une perte, le chien qui va couper, qui va chercher l'endroit où est passée la bête. Hein. T'as toute la meute qui arrive là, et puis boum, perte, terminée, on ne sait plus où est passé le sanglier, t'as un chien qui se détache, qui coupe, qui va chercher par où est reparti la refuite, quoi, et par où est parti le gibier. On chasse le sanglier, nous, un peu comme on chassait le lièvre. Comme on chassait le lièvre, hein. Hein, parce que c'est y a pas trop d'équipes qui chassent le sanglier, la façon dont on le chasse. Bon, le biotope le permet, hein, c'est sûr que... On a des collines, bon, c'est vallonné, et ensuite bon, on a des prairies, on a des bois. Tu as plusieurs possibilités, hein. C'est-à-dire soit on attaque carrément un mâle, de préférence, hein. On va choisir un mâle parce qu'on sait que sur un mâle on va faire une belle chasse. Bon, mais si on n'a pas de mâle, on va attaquer un troupeau, une harde, hein, avec des femelles et des petits, en privilégiant le tir des sangliers moins de 50 kg.
traverser un chemin, par exemple, il s'arrête en principe. Et puis il écoute, et puis il le traverse de... tout à l'heure, quoi. Il a vite traversé un chemin. Les trois quarts du temps, quand même, quand on arrête la chasse, c'est on a tué. Hein, on a tué le sanglier. Donc, tu as 80% des chiens. Hein, tu as 80% des chiens, pratiquement. Hein, je pense qu'il y a 80% des chiens qui sont à la mort. Donc, cela, on les récupère à la mort du sanglier. Et les 20% restants, c'est les chiens jeunes. Et quand on a manqué le sanglier, qu'il est parti dans d'autres communes, sur d'autres sociétés, bon, et bien là, tout simplement, ils descendent dans des fermes, et là, les gens nous appellent, bon, ils ont des colliers avec les numéros de téléphone, les gens nous appellent, on prend la voiture, on va les chercher. Toi, tu vas les porter, non? Non, 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 non. T'as qu'à le vider, non? Et moi, je vais savoir la chienne. Oui. L'idée maîtresse, c'est de ne pas tuer les femelles, de tuer les mâles et les jeunes de l'année. Voilà comment on chasse le sanglier ici sur ces 5 ACCA. Dans cette région typiquement méridionale de ce secteur de l'Hérault, la chasse au sanglier, c'est une entité vraiment très particulière de l'environnement hein, de cette région. Et ça a même une dimension au-delà de l'activité cynégétique, on peut dire une dimension sociale. Hein. Alors la chasse au sanglier ici, ben, ma foi, c'est comme partout dans le Midi. D'une façon générale, on chasse en battue postée au chien courant. C'est un système de chasse qui est, pour nos régions de très grande dimension, pour nos régions de très grands bois, comme on voit ici, c'est d'abord indispensable parce qu'on ne pourrait pas chasser autrement, et c'est très efficace. Alors c'est très efficace parce que, évidemment, on dérange, mais une des particularités de la chasse au chien courant, si on veut de temps en temps conclure, c'est-à-dire avoir un sanglier au tableau, ben, il faut bien un petit peu déranger. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à, dans un premier temps, repérer, chercher, trouver éventuellement des indices qui nous permettent de dire, eh bien, les sangliers, cette nuit, sont passés par ici, on a vu des traces, et on va essayer de les lancer dans cette enceinte. On va mettre sur le pied des sangliers, on va mettre sur le pied qu'on a trouvé le matin, des chiens, comme je disais tout à l'heure, des chiens courants de grand pied. Alors les chiens courants de grand pied, ben, ce sont des chiens de race très particulière et très créancée dans la voie du sanglier, que sont les anglo-français notamment, puisqu'ici on a des petits anglo-français. On va avoir aussi des griffons nivernais, qui sont d'excellents chiens pour cette région, très robustes et très courageux, très pugnaces. On va avoir des fauves de Bretagne, des grands fauves de Bretagne, qui malgré que des fois ils sont un petit peu cabochards, un petit peu têtus, ils sont très fins de nez et ils sont très allants sur la voie du sanglier. On a aussi les Brunos du Jura, qui sont des chiens magnifiques. Peut-être on peut leur reprocher quelquefois leur manque de gorge, parce qu'on est dans des grands espaces et il faut que les chiens aient de la voix. Les chasseurs ici ont l'habitude de dire que ce qu'ils aiment dans la chasse au sanglier, c'est d'entendre la musique. La chasse ici a d'ailleurs une particularité qu'on ne trouve peut-être pas dans beaucoup d'autres endroits, c'est une chasse mobile. Alors quand je dis une chasse mobile, ça veut dire que ça s'apparente un petit peu à la chasse à cours. C'est-à-dire qu'on va lancer des sangliers qui sont capables ici de faire de très très grandes distances, et à un moment ou l'autre de la journée, on est amené à un signal convenu, qu'on entendra tout à l'heure, un signal de trompe convenu, de déposter et de se reposter plus loin. C'est-à-dire que c'est une chasse de mouvement. Doucement, allez.
Ce qui est extraordinaire à cette chasse, c'est que il n'y a pas de chasse qui se ressemble. On connaît parfaitement le terrain, on poste nos types à des postes clés où on sait que le cochon va passer. Ça se passe jamais comme on l'a prévu. Et c'est 9 fois sur 10, le cochon, il nous échappe. C'est quand même extraordinaire parce qu'on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer quand on lâche les chiens.